it's just you. Well, times can be tough. Sept signes du zodiaque qui semblent sympathiques mais qui sont. À première vue, certaines personnes semblent adorables et un sentiment de bienveillance nous prend lorsque nous les rencontrons. Pourtant, les apparences sont parfois trompeuses et il nous arrive de surestimer une personne, ou du moins d'en oublier qu'elle est faite de qualités mais aussi de défauts. Ainsi, grâce à l'astrologie, il est possible d'en savoir plus sur la personnalité de quelqu'un d'après son signe du zodiaque. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, voici les 7 signes du zodiaque qui semblent sympathiques mais qui sont finalement différents de nos attentes. Verseau, 20 janvier 18 février. Les compétences sociales du Verseau font de lui quelqu'un de très gentil au premier abord. Cependant, on découvre rapidement que le Verseau met certaines distances avec ses proches. En effet, il est parfois capricieux et au vu de sa sensibilité, il préfère fuir certaines situations et personnes afin d'éviter de devoir exprimer ses réels sentiments. Sagittaire, 22 novembre 21 décembre, son humour et sa compréhension du monde qui l'entoure font du Sagittaire, une personne qui semble incroyablement agréable et sage dès la première rencontre. Pourtant, au bout d'un certain temps et lorsqu'il se dévoile vraiment, on constate qu'il est nonchalant, impatient et qu'il a tendance à dire des choses maladroites et blessantes. Scorpion, 23 octobre 21 novembre, souvent attirant par son côté mystérieux, le Scorpion est le signe du zodiaque le plus susceptible d'offrir une image calme combinée à une capacité d'exprimer ses émotions, ce qui le rend authentique et sympathique. Cependant, une fois que l'on connaît davantage le Scorpion, on réalise que sa capacité à exprimer ses sentiments est à double tranchant car il n'a pas de filtre lorsqu'il s'agit d'exprimer ses émotions négatives. De même, il est parfois assez violent dans ses propos, ce qui est blessant pour la personne d'en face. Vierge, 23 août 22 septembre, la Vierge est dotée d'une nature gentille et loyale, c'est ce qui la rend très agréable à première vue. Toutefois, au fil du temps, on remarque aisément que la Vierge est aussi très critique à l'égard des gens qui l'entourent et qu'elle agit parfois trop méthodiquement, ce qui peut la rendre assez froide vis-à-vis d'autrui. Lion, 23 juillet 22 août. Au début, le lion a l'air chaleureux, drôle, joyeux et généreux, ce qui fait qu'il est admiré de tous et qu'il est régulièrement le centre de l'attention. Cependant, le lion cache certains défauts qui peuvent le rendre dur. En effet, il est très têtu, inflexible et parfois même arrogant, c'est pourquoi, il n'est pas toujours si sympathique qu'il en a l'air. Taureau, 20 avril 20 mai, lorsque l'on apprend à connaître un taureau, on remarque d'abord ses qualités dont sa fiabilité et sa patience qui en font quelqu'un de bien. Et au fil du temps, on réalise également que le taureau est très têtu et qu'il est également très rancunier. Il fait d'ailleurs peu de concessions avec ses proches et garde toujours un avis très tranché. Bélier, 21 mars 19 avril, le Bélier semble sympathique au premier abord parce qu'il est enthousiaste, honnête et optimiste.
Cependant, le dévouement du bélier à être constamment honnête fait qu'il dit des vérités blessantes. Étant également impulsif, il tient des discours durs envers les autres et dit des mots un peu trop tranchants.